Manon, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Les amis, aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo 24h. Mais 24h un peu spéciale parce que aujourd'hui les amis, je vais faire 24h où je regarde Netflix. En fait voilà, pendant du coup toute une journée, presque 24h, je vais essayer de regarder Netflix. Je pense que ça va un peu me brûler les yeux parce que bah du coup mes yeux, moi j'ai pas trop l'habitude d'être devant les écrans, tout ça. En tout cas on verra tout ça en vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin pour voir dans quel état je suis au bout de 24 heures. Les amis, clairement aujourd'hui tout le monde connaît Netflix, presque tout le monde a Netflix, même si c'est pas vous qui payez, je sais que c'est des amis qui payent pour vous. D'ailleurs dites-moi en commentaire qui fait ça, moi clairement je le fais, voilà. En tout cas, là je viens de me réveiller, ça fait à peu près une heure, j'ai tout préparé pour pouvoir tourner cette vidéo au mieux, et là on va pouvoir commencer à regarder Netflix. Clairement les amis, j'ai pris quoi? J'ai pris mon petit thé, parce que le thé c'est la base le matin quand on se réveille, on boit tous du thé, enfin non pas tous, pardon, j'ai mis tout le monde dans le même panier moi, ça y est, je me crois je sais pas qui. Bon bref, pas tout le monde, mais moi en tout cas, je suis team thé. Je sais pas si vous êtes team café ou team thé ou team chocolat au lait, moi je suis team thé. Voilà, ça m'aide à digérer, à enlever les toxines de la veille quoi. Bon clairement, je vais commencer par allumer cette télé. En tout cas les amis, bien sûr, avant de commencer cette vidéo, n'oublie surtout pas de lâcher le gros like qui fait toujours plaisir, de t'abonner à mon Instagram, ça fait juste ici, et de t'abonner aussi à mon YouTube parce que franchement en ce moment les amis, on est vraiment de plus en plus nombreux et je vous en remercie encore une fois bien sûr. Bon alors, c'est parti. Bon les amis, moi en ce moment, je suis en train de regarder Lupin. Voilà, je suis à l'épisode 4 de Lupin. Je trouve que c'est une série qui est pas mal. Après, j'ai recommencé à regarder La Casa de Papel. Il faut savoir que ça fait 3 fois que je regarde cette série. Je sais pas vous les amis, mais moi, pour moi, La Casa de Papel, c'est la série numéro 1 de tous les temps. Genre, j'ai jamais connu une série mieux que La Casa de Papel. C'est trop bien. Moi, je pense qu'on va commencer à regarder un truc que j'ai jamais regardé. Du style ça. Ça, je connais pas du tout. C'est Désenchanté, je connais pas du tout. Bon, allez, on va mettre ça. On va commencer à regarder et je vous donnerai mon avis après. Bien sûr, on s'installe. Qui ne s'installe pas... Déjà, le générique... Qu'est-ce que c'est, quoi? Je sais déjà que je vais pas aimer. Ok, la meuf, elle a mis sa couronne, quoi. La meuf, ils sont en train de miser... Sur les pièces, la meuf, elle a dit, je pose ma couronne. C'est une folle. Bon, les amis, clairement, là, ce qu'on va faire, c'est que je vais finir de regarder le premier épisode de cette série qui s'appelle Désenchanté. On se retrouve juste après et je vous dis, bah, clairement, ce que j'en ai pensé. Bon, là, les amis, clairement, je suis à la fin de l'épisode 1. Comment vous dire que, bon, voilà, là, je suis à 33 minutes exactement. Le truc qui fait 2 minutes, bah, ça m'a endormie. En fait, c'est un peu style... Les Simpsons, je sais pas en fait si vous avez déjà regardé cette série, mais ça fait un peu style Les Simpsons et tout. Et moi, j'aime pas du tout. Donc, je vais pas forcer. Voilà, clairement, je vais regarder un autre truc. Donc, qu'est-ce qu'on peut regarder? Voilà, bon, on retrouve Oh, Hollywood! Enfin, Hollywood. Genre, c'est le film avec... Comment elle s'appelle? Florence Foresti, là. Pas mal, lui. Mais bon, j'ai déjà vu 10 000 fois. J'aimerais bien regarder un truc que j'ai jamais vu. Dans le top, qu'est-ce qu'il y a? Lupin, Zone Hostile. Ah, mais Désenchanté, genre, il est... Ah, parce qu'en fait, il y a eu des nouveaux épisodes. Ah, non, mais non, pas du tout. Papa, c'est toi. Partie à la recherche d'un père, elle en trouve 2, mais lequel est le vrai? Seul son cœur le sait. On peut regarder ça, non? Pas mal. Là, les amis, il est exactement 11h45. Du coup, je vais pas non plus tarder trop à manger. Je commence à regarder ça. Et après, on va manger, parce que là, c'est beau. Moi, ça me donne faim. Déjà, petite musique d'ambiance. On adore, franchement. Déjà, j'adore les films qui commencent. Quand il y a un trop beau paysage, vous voyez que les lumières, elles sont claires et tout. J'adore les films qui commencent comme ça. Je sais déjà que je vais kiffer. Bon, là, les amis, en fait, ce qui se passe, c'est que je suis à 9 minutes et quelques. Sauf que, franchement, j'avais trop faim, je vous jure. Je me suis fait cuire. Un petit feuilleté. Je ne sais même pas ça à quoi. Je crois que c'est au persil, chèvre, je sais pas trop quoi. Coca zéro. Oui, je sais, je mange pas du tout équilibré. Mais moi, c'est comme ça. Voilà, j'ai toujours mangé comme ça. Et je fais ce que je veux. Mais franchement, ce petit film, Papa, c'est toi, il commence plutôt pas mal. Je sais pas si vous l'avez déjà regardé, mais moi, pour le moment, je kiffe. Les amis,
j'ai fini de manger, c'était vraiment trop bon. Du coup, je vais continuer à regarder mon petit film. Dites-moi, vous les amis, si vous avez déjà passé toute une journée devant Netflix ou devant la télé en fait. Parce que moi, je vous avoue que ça m'arrive pas souvent, à part quand je suis vraiment, vraiment malade et que bah, je peux rien faire d'autre. Bon, les amis, ce qui vient de se passer, c'est qu'en fait, bah, je me suis endormie. Sauf que d'habitude, bah, je m'endors toujours une demi-heure, 45 minutes. Sauf que là, en fait, il est actuellement 16h. What? 16h, les amis. Ça veut dire que la dernière fois que j'ai regardé mon téléphone, il était, je crois, 13h25. J'étais presque à la fin du film, vraiment. Genre, d'ailleurs, j'ai kiffé. Du coup, j'étais vraiment presque à la fin. Et là, trou noir. Comment vous dire que là, je me réveille. Bon, les amis, du coup, pour revenir sur le film Papa, c'est toi, j'ai vraiment kiffé parce que ça fait un peu suspense, un peu mignon, un peu cucu. Moi, tout ce qui est les films cucu la praline, franchement, j'adore. Et sinon, les amis, ce que je vous propose, c'est qu'on aille maintenant au salon. Voilà, pour qu'on continue cette vidéo, voilà, 24h Netflix. Normalement, il y a Pikachu aussi qui va pas tarder à rentrer. En fait, les amis, je me tâte à regarder soit les chroniques de Bridgerton, parce que franchement, j'en ai beaucoup entendu parler et il paraît que c'est bien. Ou alors, je me tâte à regarder La Casa de Papel. Je sais pas trop quoi faire. La Casa de Papel, je l'ai vu plein de fois. Les chroniques de Bridgerton, je l'ai jamais vu, mais il paraît que c'est ouf. Dès qu'on se met dedans, on peut plus s'arrêter. Allez, je me lance dans les chroniques de Bridgerton. Ah ouais, c'est vraiment ancien temps. Genre, ah oui. Ok. En fait, je commence à péter un plomb. Oh mon dieu, je me suis fait trop mal à la tête. En fait, genre, j'ai voulu essayer de regarder la télé à l'envers, mais sauf que. Ah, je me suis fait trop mal. J'y arrive pas. Bon, les amis, du coup, Seb, enfin Pika, il vient de rentrer. Je suis mort, je suis claqué, j'ai fait que travailler. Là, je viens. Mais c'est pas ça le problème. C'est que tu me demandes pas moi mes 24 heures Netflix, comment ça se passe? What? Oh, ça va regarder la télé pendant une journée. Et qui prépare regarder la télé pendant une journée? Franchement. Par contre, c'est quoi ce film de merde là? Parce non, que écoute, moi je vais pas rester non, à regarder ça. Écoute, hein. Franchement, c'est les chroniques de Bridgerton. Au début, j'aimais pas du tout. Genre, c'était pourri. Elles avaient des coiffures de merde. Mais lui, on dirait toi quand t'étais pas coiffée ce matin. Quoi? Et ben écoute, et ben en fait, c'est super bien. Ah ouais? Bon les amis, cette vidéo elle arrive à sa fin, voilà, il est à peu près 23h, il est 23h tout pile. Et j'y suis à peu près depuis du coup 10h30, 11h, je sais plus trop. Mais bon, ça fait longtemps, là ça y est mes yeux, je crois qu'ils sont arrivés à la fin de l'écran. Je commence à avoir des larmes aux yeux et tout quand je regarde les écrans. Mais bon voilà les amis, cette vidéo elle est terminée. J'espère que vous avez aimé passer ces 24 heures avec moi devant Netflix. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire vous si vous avez Netflix et quelle série vous regardez. En tout cas, moi c'est Manon et je vous fais des gros bisous.